Cette représentation de The Voice au Qatar. Si. Avec micro, c'est mieux alors. Merci de vous être déplacé jusqu'à nous ce samedi matin. Donc là, vous allez assister en effet à la représentation de ce spectacle. Bon, j'ai toujours été un petit peu mal à l'aise avec le mot spectacle, parce que qui dit spectacle, on attend un lapin qui sort d'un chapeau ou un feu d'artifice. Bon, honnêtement, le feu d'artifice, quand vous voyez la salle, vous savez qu'il n'y en aura pas. Donc on va plutôt parler de projet d'analyse musicale. Alors c'est un projet d'analyse musicale qui se base sur la science, parce qu'évidemment, il faut qu'il y ait une base scientifique là derrière. Donc en l'occurrence, ça appartient au programme de physique de terminal S. Mais ne vous inquiétez pas, on a cherché à, tourner ça vers le grand public afin que tout le monde... des plus jeunes jusqu'aux un petit peu moins jeunes, et bien tout le monde puisse comprendre l'intérêt scientifique derrière. Alors cependant, je veux vous dire que si la science qui est derrière vous passe par-dessus la tête, bien, ce n'est pas très grave, vous pouvez quand même suivre le spectacle, il suffit juste de vous laisser bercer par l'histoire qu'il y a derrière, qui est l'histoire de Florence Foster Jenkins, qui est une histoire que mes élèves raconteront par étape, et qui est très intéressant, donc laissez-vous juste bercer par ça. Je vais demander à Delphine, où est-elle Delphine? Elle se cache, elle est là. Juste de nous faire écouter quelques notions musicales, juste, c'est quelque chose de très très simple évidemment, mais c'est simplement pour que tout le monde soit dans le contexte. Alors d'abord je vais demander à Delphine de jouer des notes, elle est sur le piano, vous le voyez, de la plus grave à la plus aiguë. Vas-y Delphine. Ça, pour bien remettre en tête une note grave d'une note aiguë. Maintenant, Delphine, fais-nous le contraire, c'est-à-dire d'aigu à grave. Donc on a bien compris, grave, aigu, on est d'accord. Maintenant, parce qu'on va en parler souvent durant cette heure que vous allez passer avec nous, on va parler d'octave. Donc s'il te plaît, Delphine, tu vas nous jouer la note Do la plus grave que tu puisses jouer sur ton piano. Fais-nous la bien entendre. Et maintenant, Delphine, tu vas nous jouer cette même note, mais aux octaves du dessus. Voilà, Delphine vient de vous illustrer la notion d'octave. Pour bien comprendre la difficulté pour un chanteur de monter une octave plus haut, vous allez être les cobayes d'une expérience, c'est-à-dire vous allez chanter. Alors, on va tout d'abord commencer par une note dite facile, c'est-à-dire un 2-3, et ensuite monter une octave plus haut. Donc je vous la montre, c'est celle-ci, et ensuite c'est à vous. Allez-y. Et maintenant une octave plus haut. Très très bien. Bon. Et enchaîne. Ah, pour ceux qui se veulent encore plus. Alors, vous voyez la difficulté. Donc, gardez bien ça en mémoire durant la présentation lorsque l'on vous dira que certains chanteurs arrivent à jouer, à chanter une octave plus haut que les autres. Maintenant, place au spectacle. Donc, on va vous parler de Florence Foster Jenkins. Florence Foster Jenkins est une soprano américaine qui est née en 1868 et qui est morte en 1944 à New York. Quand elle était enfant, elle suivait des cours de musique et elle exprimait des désirs pour étudier la musique à l'étranger. Mais son riche père ne voulait pas payer pour ses études, donc elle s'enfuit avec le docteur Jenkins qui va devenir son mari. Mais il divorce quand il lui transmet la syphilis.
Cette maladie va causer une détérioration de son système nerveux et va s'empirer avec les traitements successifs au mercure et à l'arsenic. Elle vit dès lors en tant qu'enseignante et pianiste. À la mort de son père en 1909, elle va avoir une grande fortune qui va lui permettre d'entamer sa carrière de cantatrice. Une carrière que ses parents et son mari d'ailleurs ont fortement découragée. Ensuite, en 1928, à la mort de sa mère cette fois, alors que Florence a 60 ans, elle va avoir même une plus grande liberté et, encore des ressources pour poursuivre sa carrière. Donc, elle se produit dans des clubs comme la salle de bal du Ritz-Carlton à New York, qu'elle réserve elle-même, avec un parterre d'invités qu'elle a choisi elle-même et qui sont toujours présents du fait des falses de ses fêtes. Les airs auxquels la cantatrice va s'attaquer à des airs de répertoire d'opéra. Comme de Wolfgang Amadeus Mozart, de Giuseppe Verdi et de Richard Strauss. Ensuite, en 1943, Florence va rentrer dans un accident de taxi. Maintenant, c'est surprenant, mais elle dit qu'elle peut maintenant chanter un fa encore plus haut qu'avant. Donc, au lieu de poursuivre la compagnie de taxi, elle va envoyer un cadeau, une bonne boîte de cigares. Maintenant qu'elle peut, comme elle le dit, chanter des notes plus haut, elle va s'ouvrir un répertoire auquel elle ne s'attaquait pas précédemment, et notamment la Reine de la Nuit de Wolfgang Amadeus Mozart. Donc il y a une note, la F6, et il faut que vous la reteniez bien, ça correspond au Fa 5 dans l'écriture francophone, et c'est en fait la note la plus haute qui est chantée dans la Reine de la Nuit. Là vous dites intérieurement, la Reine de la Nuit, je ne connais pas. Il y a des images qui viennent de passer par votre cerveau. Non, on ne veut pas les connaître. Et vous les avez rejetées de vous-même. C'est très bien ainsi. Mais je vous assure, vous connaissez sûrement la Reine de la Nuit parce qu'on l'a souvent chantée dans les couloirs de l'école. Mais juste au cas où, je vais vous la remettre en mémoire. Non, laisse. On a une vidéo. Aussi bien. Bon alors, à ce moment de présentation, alors les spectateurs parmi vous qui sont venus, car on leur vend du rêve, du lourd, du flamboyant, du clinquant de la star, mais qui découvrent en fait, on vient leur parler de musique classique et de vieilles cantatrices exantiques, sont horrifiés. Mais pas d'inquiétude, cher public, car on vous a aussi mis de bons morceaux de Mariah Carey, mais aussi, on vous a mis des stars comme Axl Rose, Bruce Dickinson, Rob Halford, qui interviendront bel et bien en personne. Avec Nadir en tête. Et Mariah Carey, justement, que vient-elle faire dans cette histoire? Vous me direz, ceux qui suivent l'actualité, qui ont passé leur premier de l'an sur Times Square, comme le faisait Florence Foster Jenkins en son temps, le savent. Sometimes shit happens.
Cette phrase n'est pas de moi, mais de Mariah elle-même. Elle a été prononcée le 1er janvier 2017, et elle a un lien avec notre présentation aujourd'hui. Bon, alors quand on s'est intéressé aux notes les plus aiguës, les plus hautes, on dit en physique, des sopranos, et plus particulièrement des sopranos colatures, on a découvert un article que vous pouvez voir ici, qui nous a particulièrement intéressé. Donc cet article est issu d'un site qui est spécialisé dans la musique, qui s'appelle concerthotels.com. Et qui est relié par des sites d'information de confiance comme Huffington Post ou L'Express dans la presse française. Et là, je vous laisse découvrir, surprise, non seulement Mariah Carey est capable d'atteindre une note plus aiguë que la plus aiguë des notes écrites par Mozart, mais elle peut monter plus d'une octave au-dessus. Je vous laisse voir sur le tableau. Le tableau prétend que Mariah Carey atteint une note de G7, ce qui est incroyablement aiguë par rapport à la performance que l'on vient de voir dans La Reine de la Nuit. Wow, quel talent. Bon, alors on a donc décidé d'intégrer Mariah Carey à nos présentations. Alors pour ceux qui ont vécu sur une île déserte les 20 dernières années, bah on va vous faire un petit rappel sur Mariah Carey, puis sur Axl Rose, plus connu comme étant chanteur de Guns N' Roses, car celui-ci est aussi publicité par cette quête. Guns N' Roses. Donc là, vous vous demandez, et eux, chantent si aigu que ça? Bon, sachez que volontairement, on vous a pas mis l'extrait sur aigu de Mariah Carey, car on va le faire passer plus tard. Quant à Axl Rose, c'est juste pour vous montrer que pour chanter dans une bande de hard rock des années 80, mieux valait se produire en caleçon. Pour redevenir sérieux, ce tableau prétend donc que Axl Rose a le spectre vocal le plus étendu, capable de chanter aussi grave que Barry White. Tout le monde voit de qui il s'agit? Si vous savez pas, si vous voulez, moi personnellement ça me gêne pas, mais je peux vous faire un extrait. Non, merci, ne t'inquiète pas. Je disais, aussi grave que Barry White et plus aigu que Freddie Mercury par exemple. Bon, et Mariah Carey chante toujours, d'après cette étude, une octave plus haut que ce qu'atteignent les soprano colatures. Ce sont les soprano, les chanteuses qui sont capables d'atteindre une note vraiment super, super. Donc, mesdames et messieurs, nous nous sommes mis en tête de vérifier les dires de ce site. Mais pour que vous compreniez bien la physique qui est cachée derrière ces notions musicales, vous allez être le cobaye d'une expérience. Mais tout d'abord, laissez-moi vous dire qu'en physique, on associe à chaque note une fréquence. Plus la note est aiguë, plus la fréquence est grande. Plus la note est grave, plus la fréquence est petite. Comme le montre le document, les seuls sons audibles par l'oreille humaine correspondent à des fréquences allant de 20 à 20 000 Hz. Donc au-delà de 20 000 Hz, comme vous pouvez voir, c'est les autres animaux qui peuvent entendre, donc les chats et les chiens par exemple. Maintenant, je vais vous faire écouter différents extraits enregistrés par mes soins. Donc c'est
différentes fréquences, différents sons musicaux. On va commencer par un son de 440 Hz, donc ça correspond au La 3 sur un diapason. Et si vous tournez à votre livret à la page 2, donc, vous allez voir que ça revient au A4 ou A4 dans l'écriture anglo-saxonne, si c'est plus facile. Ensuite, on va monter d'une octave, donc au 880 Hz. C'est le A4 cette fois et le A5 dans l'écriture anglo-saxonne. Le troisième son sera le fameux F6, qu'on a dit, c'est la plus haute note chantée dans la Reine de la Nuit. Et finalement, ce sera la G7, donc c'est la plus haute note qui a été, selon l'étude qu'on a vue, chantée par Mariah Carey durant Emotions. Ça, c'est 440 Hz. Et voici, mesdames et messieurs, la note chantée par Mariah Carey, la G7, quand je vous disais qu'elle avait un talent fou. Donc maintenant, je vais vous faire écouter alternativement des sons de 1400 Hz, la F6, et de 2960 Hz. Donc c'est bien la G7, pour que vous voyez vraiment la différence entre la Reine de la Nuit et Mariah Carey. Je vous vois dubitatif. Vous pensez pas Maria capable d'atteindre des notes comme celle-ci? Eh bien, laissez-moi vous montrer l'extrait dans lequel elle chante la G7. Vérifier scientifiquement. Mais d'abord, laissez-moi finir l'expérience. Donc, on était à 3000 Hz. Maintenant, on va passer à des notes progressivement à des notes de 4000, 6000 et ensuite 8000 Hz pour que vous voyez les sons les plus aigus. Le plus on monte, ça devient un peu douloureux. Ça, c'est 8000 Hz. À partir de maintenant, normalement, les plus âgés d'entre vous vont arrêter d'entendre. Et les personnes les plus jeunes, normalement, vont continuer. Y a-t-il des gens qui continuent à percevoir des sons? Moi. Ah bon? Non, c'est pas vrai. Ah. Vous continuez, vous? Oui. Ah, c'est vraiment dommage, parce que mon camarade vient de dépasser les 20 000 Hz. Et comme vous l'avez vu précédemment, au-delà de 20 000 Hz, seuls les animaux peuvent l'entendre. J'ai juste une simple question pour vous. Est-ce que vous avez l'habitude de crier les soirs de pleine lune et faire pipi contre les arbres pour marquer votre territoire?
Donc un son est donc associé à une fréquence qui s'appelle la fréquence fondamentale. Et vous trouverez dans la feuille que vous avez entre les mains, et donc ce tableau, où on peut voir les fréquences et les notes qui leur sont associées. Donc par exemple ici on regarde le Fa5, il est associé à une fréquence de 1397 Hz, et cette fréquence s'appelle la fréquence fondamentale. La figure présente sur un spectre et entre physiciens, et dans ce cas-là on tolérera également les mathématiciens, on parle d'un spectre de Fourier. On s'intéressera au premier pic qui sous MAPSI indiquera la fréquence fondamentale. Mais pour obtenir un maximum de précision, il faudra donc isoler le son et donc éliminer tous les bruits du fond, tels les instruments, etc. Et cette précision a donc son importance. Alors donc Audacity nous permet de retrouver les notes et les fréquences associées à chaque son. Cependant, elle nous donne des fréquences dans le modèle anglo-saxon, donc on aura un F6 au lieu d'un Fa5. Alors maintenant, sur cette figure par exemple, on va observer ce pic. Lorsqu'on pose le curseur dessus, on voit apparaître sa fréquence ici et la note qui est associée. Donc ici, on voit un F6. On appliquera donc cela à l'Excreative Motion qui nous intéresse. Vous reconnaissez, n'est-ce pas? Maintenant, on va zoomer, on va sélectionner la partie où la voix de la chanteuse est isolée. On poursuivra en faisant l'analyse de Fourier. On remarque alors que l'abscisse du premier pic est aux alentours de 2100 Hz, ce qui correspond à une note C7 qui est bien loin du G7 annoncé, mais bien au-dessus du F6 de Nathalie Dessay. Et donc si ce son est vrai, Mariah Carey chante plus aigu que le soprano colature le plus aigu, avec la voix la plus aiguë perchée. Donc nous nous sommes demandé si notre méthode était fiable, puisque nos résultats différaient de ceux de la presse, de G7 à C7. Donc pour vérifier, nous sommes tournés vers le soprano colature et les chanteuses lyriques. Nous avons analysé la note la plus aiguë chantée par Mado Romain. Donc en fait, c'est une chanteuse célèbre qui est connue pour avoir été la seule à atteindre à la demande et devant public la note de G6 et G6 dièse. Elle est même capable de chanter un D7, ce qui est extrêmement aigu. Donc sur la vidéo qui va suivre, parce qu'on va vous montrer une vidéo, on va voir sa prestation. Vous remarquerez qu'en début d'extrait, la note qu'elle va chanter est indiquée. Donc ce qui est pratique avec les sopranos et les chanteuses lyriques, c'est que généralement elles chantent en solo, ce qui permet de ne pas avoir de bruit de fond ou qui pourrait fausser notre analyse. Et également, la note qu'elle chante est écrite par le compositeur, ce qui nous permettra de vérifier que la note qu'on analyse correspond bien à la note chantée, et que donc notre méthode est juste. Donc de la même façon que précédemment, on va isoler donc le passage qui nous intéresse, qui contient la note à analyser. Donc on sélectionne ce passage-là. Donc c'est un très court passage qui ne contient que la note à analyser. Puis on demande à notre logiciel d'afficher le spectre de Fourier. Et, et le pic qui nous intéresse, c'est le premier pic. Après, on lit en abscisse. Et on voit la fréquence émise qui est de 1662 Hz, ce qui correspond bien à la note G6 dièse qui a été chantée par Mado Romain. Mais on remarque que notre technique fonctionne, puisqu'elle permet de remonter jusqu'à la bonne note. Donc juste avant de revenir sur Mariah Carey, je voudrais revenir sur l'extrait de vidéo que vous avez vu de Mado Romain. Donc en fait, dans cet extrait,
On entend sa voix vibrer, donc c'est ici la technique du vibrato qui est mise en lumière. Alors le vibrato, qu'est-ce que c'est? C'est une technique qui permet d'atteindre une fréquence puis d'osciller autour de celle-ci sans vraiment l'atteindre exactement. Donc en fait la voix va vibrer autour d'une fréquence précise. Et donc si on augmente la pression de notre analyse comme vient de le faire le professeur, on remarque qu'il n'y a plus un pic mais deux pics, ce qui montre l'oscillation entre les deux notes. Et quand on s'intéresse au second, on trouve A6, enfin on trouve une oscillation entre A6 et G6 dièse. Vous voyez. Et donc A6 c'est une note bien plus aiguë que G6 dièse, mais ça posait aucun problème à Bateau Robin de l'atteindre étant donné ses capacités vocales. On peut donc revenir maintenant sur le sérieux de la source qui affichait les spectres vocaux des chanteurs. Donc, comme on a pu le remarquer, Mariah Carey n'a pas chanté la note de G7, mais elle a chanté la note de C7, ce qui correspond à un Do. Donc Axl Rose a immédiatement communiqué dans la presse pour dire que les notes affichées étaient fantaisistes. Car honnêtement, Axl Rose, il faudrait être sourd pour penser qu'il puisse atteindre des notes aussi basses que celles de Barry White. Mariah Carey, quant à elle, elle n'a pas démenti. Mais y a-t-il quelque chose qu'elle puisse démentir? Qui peut croire qu'elle chante réellement cette note? Pour s'en convaincre, il suffit juste de voir ses prestations en live. Donc finalement, je ne sais pas, c'est la preuve. Suraiguë chantée par Mariah Carey lors de son live que pour les autres notes aiguës qu'on a déjà analysées. Donc on sélectionne le morceau et ensuite on va tracer son spectre de Fourier. Et donc on voit ici que sur le premier pic, que la note qu'elle chante correspond à D6 dièse et non C7 comme on avait trouvé dans l'analyse du disque. Donc ainsi, le G7 publié par la presse qui correspondait en fait à C7 sur le CD, on trouve qu'elle ne peut pas reproduire C7 en live et chante un D6 dièse à la place. Donc, pour terminer avec cette étude, et avant de revenir sur Florence Foster Jenkins, il faudrait parler de l'événement qui a eu lieu le 1er de l'an à Times Square, lors du live de Mariah Carey. Donc, si cet événement met en évidence un problème technique lors du live, il met aussi en évidence la présence d'une bande-son derrière la chanteuse. Donc on va vous le prouver en vous passant la vidéo. Donc il faudra être particulièrement attentif aux alentours de 50 secondes parce que c'est là qu'on va entendre la bande-son. La chanteuse essaye de meubler un peu le silence en parlant et en chantant quelques extraits, mais on voit que même si elle ne chante pas vraiment, aux alentours de 50 secondes, on entend quand même le C7 qui était présent dans le CD, ce qui montre bien qu'en fait il était sur une bande-son enregistrée et que donc c'était pas Mariah Carey qui l'avait chanté en live. Donc ainsi, la note suraiguë qui fait la célébrité de Mariah Carey est en fait une bande-son enregistrée. Donc comme l'a dit Maria, sometimes shit happens. Bref, il convient de rendre aux sopranos ce qui leur appartient. Bon, alors, ici, à l'heure actuelle, on constate que ce n'est pas parce qu'une information est reliée avec sérieux, qu'elle est sérieuse. Et ce n'est pas
Ce n'est pas parce qu'une information fausse est relayée par des agences de presse qu'elle devient vraie. Et nous, en Terminale S, avec des outils à disposition de tous et gratuits, on peut reprendre ces informations et les corriger. Donc alors nous avons bien sûr contacté le site consultorclass.com et ils nous ont répondu. Alors je vous laisse le soin d'analyser leurs réponses. Ces informations sont issues d'un forum de discussion. Les notes considérées sont issues d'enregistrements et non de performance live. Sérieusement ? Vos résultats proviennent d'un forum de discussion. Et s'ils avaient annoncé G8, vous aurez cru peut-être. Où est votre rigueur de journaliste, mesdames, messieurs ? Bon, on vous laisse discuter entre vous sur vos forums et laisser les spécialistes faire. Revenons à Florence Foster Jenkins. Donc, pour apprécier une performance, il faut la comparer à une performance de référence. Donc, nous avons utilisé comme performance de référence celle de Nathalie Dessay dans La Reine de la Nuit, que vous avez écoutée précédemment et qu'on va vous rediffuser. Et avec les mêmes paramètres et les mêmes outils, on obtient le spectre de Fourier. Donc, en regardant le premier pic, on voit que la fréquence est de 1392. Et la note atteinte, c'est bien évidemment un F6. C'est pas une grande surprise que Nathalie Dessay arrive à atteindre la note écrite par Mozart et respecte bien l'œuvre écrite. Mais maintenant, on va revenir à celle qui fait le titre de notre spectacle, Florence Foster Jenkins. J'ai juste une question. Vous l'avez déjà entendu chanter? Laissez-moi vous préparer psychologiquement. Tout d'abord, je vais vous parler des enregistrements. À l'époque, les enregistrements n'étaient pas aussi fréquents. Donc, nous avons un extrait d'un enregistrement qui est quasiment en a cappella et il est accompagné du piano. Et c'est un extrait de son CD qui est paru en 2000 et qui se nomme The Glory of Human. Mais, mesdames et messieurs, âmes sensibles, s'abstenir. Thank you.
Donc après avoir écouté cet extrait, on peut évidemment se demander est-ce qu'il est vraiment utile d'analyser sa performance pour voir si elle atteint la note. Mais comme on est scientifique, il est bien utile d'analyser la mesure de nos ressentis. Donc avec la méthode que vous connaissez déjà par cœur maintenant, on va analyser la note que Florence Foster Jenkins va atteindre. Mais notez bien qu'il y a le piano dans cette performance et il est impossible de le retirer. Et on vous expliquera plus tard pourquoi il est important. Donc dans cette analyse, on ne prendra pas le premier pic, mais le deuxième, parce que le premier représente le piano. Dans le deuxième pic, on voit la fréquence de 1203 Hz, qui représente la note D6. On aurait tous pu constater que Florence Foster Jenkins ne touche pas la note que Mozart a écrite. Mais ce que la physique fait, sans juger la performance artistique, elle le confirme. Alors évidemment, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir pourquoi personne ne l'a jamais prévenu. Il apparaît que ses parents et ses deux époux lui aient gentiment fait comprendre qu'elle n'était pas faite pour ce métier, mais elle était convaincue du contraire. Donc elle prit au cours de sa vie de nombreux cours de chant, elle était passionnée par son art. Et elle fut accompagnée de Cosme MacMoon, qui est un pianiste très célèbre et très professionnel. Il tentait constamment de compenser ses variations de tempo et ses erreurs rythmiques. Et il a joué systématiquement une octave en dessous de la note pour aider la chanteuse. Donc, si vous vous rappelez bien, on a analysé le deuxième pic, puisqu'en fait le premier correspond à la note jouée par le piano. Maintenant, si on l'observe, on voit que c'est une fréquence de 6-7, à peu près 710 Hz qui joue un F5. Donc c'est une octave en dessous de la note écrite par Mozart. Alors, Florence Foster Jenkins tenait des concerts à la réception très riche, et donc c'est pour ça que ses soi-disant fans se précipitaient plus que pour la performance. Et vers la fin de sa vie, après son accident qu'on a vu, ne l'a pas du tout aidé à atteindre la note tant espérée, elle se laissa convaincre de tenir des concerts payants maintenant, par invitation. Et la presse en fit des comptes rendus abominables qui ont causé sa mort 2 jours plus tard. Alors aujourd'hui, Florence Foster Jenkins est assez célèbre. 2 films lui ont été consacrés. Le premier est un film français, ici, il s'appelle Marguerite. Et c'est Catherine Fro qui joue la chanteuse. Et le second est un film de cette année, il a été nominé par les Oscars. Et c'est Meryl Streep qui joue la cantatrice. Seemed perfect to me. When I was 16 years old, my father told me that if I didn't give up music, he'd cut me off. Of course, he didn't understand. Music is my life. Cosme MacMoon. That's me, sir. Maestro, this is the talented young man I was telling you about. And let's get started. She's remarkable, isn't she? She can be a little flat. Flat. It defies medical science. Maestro, do you think I'm ready for a concert? Expand your diaphragm, Florence. I think Madame Florence might need more lessons. Please, my wife is ill. Singing is her dream, and I'm going to give it to her. We have to help her, because without loyalty, there's nothing. You know, I played for the president when I was 8 years old. Really? Yes, Little Miss Foster, they called me. I had very high hopes of becoming a concert pianist. But then when the nerves were damaged in my left hand, that's not to be. Her condition is improving. What is the secret? Music. She lives for music. That was Florence Foster Jenkins. How did she get on the radio? I lost my left leg at Guadalcanal, but that day has got me happy to be alive. The lady is in less than courage, and we love her. Oh, God.
She must never see this. I'd like every copy of the post that you have. I just think this might be too much for you. This is my favorite place, and I'm going to sing here. I cannot play Carnegie Hall with Madame Florence. We'll be murdered out there. Music is important and cannot be mocked. She has done more for the musical life of the city than anyone, and that includes you. 3,000 people. They need joy. They need music. I'm afraid. Madame Florence, you must go on. This is what we live for, isn't it? It's doing very, very well. Je chante au moins 4 ou 5 heures par jour, vous savez. Vous pensez qu'elle sait pas qu'elle chante complètement faux? Faux, mais sublimement faux. Divinement faux. Je vais organiser un vrai concert, Georges, devant un vrai public. Comment ça, un vrai concert? Je travaille depuis des années, mon chéri. Je vais trouver un vrai professeur. Non, c'est très intéressant. C'est très personnel. Merci. Il ne faut pas qu'elle monte sur une vraie scène. Qu'est-ce qui va se passer quand elle va comprendre? Mais de quoi avez-vous peur exactement? C'est pour vous que j'ai peur, figurez-vous. Tout le temps. Vous voulez savoir la vérité? La vérité vraie? Ce que personne n'ose vous dire. Il n'y a que la musique qui compte pour moi. C'est ça ou devenir folle, vous m'entendez? Pour la technique. Je veux remercier Isabelle. Isabelle, j'ai pas oublié ta question. J'y répondrai avec plaisir. Parce que vous avez peut-être vu dans la presse qu'une chanteuse chinoise qui a été capable de reproduire les soi-disant parties inaccessibles écrites par Eric Serra pour le film Le Cinquième Élément. J'ai analysé ça, je ne l'ai pas inclus là parce que c'est un projet. Bon, un projet, c'est vivant. Donc ça évolue constamment, mais il faut aussi un moment qu'on mette une limite pour libérer les élèves aussi, parce que bien sûr, il faut que je libère mes élèves. Au départ, on avait prévu de faire ça sur 10 semaines, ils ont été gentils. Ils m'ont rien dit quand ils ont constaté que ça en durait 12, puis 14, puis 16, puis 18, puis 20. Donc à un moment, on a mis une limite. Donc merci à vous, chers élèves, de vous être montrés fidèles à ce projet, de vous être impliqués dans ce projet, de l'avoir présenté aujourd'hui, fidèlement. Vous avez été meilleurs que tout. Vous savez que il ne faut pas sortir des gens d'un groupe, mais parmi ces personnes, il y a notamment une personne qui est double record woman depuis la semaine dernière du Qatar en athlétisme. Donc, vous voyez, on peut parler un samedi de musique et de science, et la semaine d'avant triompher sur des stades d'athlétisme, l'un n'empêche pas l'autre. Alors, je voulais remercier donc mes élèves pour leur implication. Ça a été une vraie implication parce que quand ils se sont... ils ont écouté ces extraits musicaux, eh bien, eux-mêmes, ils ont voulu s'y frotter. Alors vous avez donc vu sur cette première diapositive que j'ai diffusée, il y a
trois personnes que vous avez entendues chanter, il y en a une quatrième que vous n'aviez sans doute jamais vue sur un écran de télévision. Vous allez l'entendre prochainement, mais ça va être une sorte de making-of que mes élèves vont également vous présenter. Je vous remercie d'être venu et assister simplement aux 5 minutes du making-of. Certains élèves ont essayé de reproduire la Reine de la Nuit, l'air de la Reine de la Nuit, chose que Florence Foster Jenkins n'était pas capable de faire. Ici, on est à l'écoute de nos camarades, de leurs rêves. On les a donc laissés tenter leur chance. Et voici la tentative la plus réussie dans notre groupe et de moi. Smeralda, les admissions post-bac sont encore ouvertes. Si tu comptais continuer une carrière dans la musique, il faut penser à une réorientation. Vu que l'air de la nuit a clairement été massacré devant nous, on s'intéressera uniquement à atteindre la note F6. Nadir, c'est notre hard rocker. Les aigus ne lui font pas peur. Il s'y mettra à l'exercice. Voilà le résultat. C'est 6 quand même, c'est incroyable. Bon, vu que imiter Nathalie Dessay est une mission impossible, on essaiera d'atteindre au moins la note F1 qui est chantée par Tim Storms, qui est quand même 5 octaves au-dessous de Nathalie Dessay. Nadir Ali, qui cherche à se rattraper, vont essayer au moins d'atteindre cette note. Voilà les résultats. Nadir atteint la note F2, qui est quand même une octave de loin du F1. Or Kali, à ce stade, on ne sait pas s'il chante ou il digère, mais il atteint quand même la B1. On applaudit tout de même à notre champion de catégorie. Donc, on ne sait pas s'il faut conseiller à Nadir et Ali de poursuivre une carrière dans la musique, mais une chose est sûre, leur spectre vocal est loin d'être ridicule. Si vous prenez votre document et que vous regardez le spectre, les spectres vocaux, vous pouvez voir que le spectre vocal d'Ali, qui est en bleu, est en effet pas si mal que ça. Il n'est pas placé si loin que ceux des autres chanteurs. En effet, autre que le spectre vocal, interviennent d'autres facteurs, comme les tessitures des voix, le grain de la voix ou la technique de chant, qui feront ou pas le succès de l'interprète. Ici, c'est question de goût, mais c'est surtout la question du talent show. En conclusion, on souhaite vous dire justement que tout est relatif. Albert Einstein a donné un exemple. Il a dit que si on met la main sur une poêle brûlante pendant une minute, on aura l'impression que ça dure une heure. Alors que si on s'assoit à côté d'une jolie fille pendant une heure, on aura l'impression que ça a duré une minute. Ainsi, si Florence Foster Jenkins était élève de Bonaparte,
Ne dirait-on pas qu'elle a une voix d'ange ? Thank you.